Bonjour, je me présente, je m'appelle Michel Giorgi, je suis ingénieur de recherche à l'Université Aix-Marseille, à la Fédération des sciences chimiques. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question « Comment reconnaît-on un vrai diamant ?» Avant tout, un diamant, c'est un cristal. Il faut donc répondre à la question « Qu'est-ce qu'un cristal ?» Donc, un cristal est un solide constitué de matière ordonnée et symétrique dans les trois directions de l'espace et organisé suivant une géométrie, une forme particulière. Pour une famille de cristaux, cette forme géométrique sera toujours la même. Le diamant, lui, pour sa part, est un cristal constitué d'atomes de carbone et organisé de la façon suivante, comme un cube, avec des atomes de carbone à chaque sommet du cube, sur les faces du cube et 4 atomes de carbone à l'intérieur du cube. Et la distance entre deux sommets est toujours de 0,36 nanomètres. Évidemment, si on étend à 3 dimensions ce modèle-là, on va obtenir le cristal de diamant. Alors on peut noter que le graphite qui est présent ici a la même composition que le diamant, mais son organisation est complètement différente, comme on peut le voir sur ce modèle-là. Donc ce qui donne sa propriété de dureté au diamant, c'est sa compacité. On voit sur ce modèle-là qu'il y a beaucoup d'atomes sur un tout petit volume, alors que sur le graphite, il y a beaucoup moins d'atomes par unité de volume, ce qui en fait un matériau beaucoup plus fragile. C'est le crayon à papier. Donc la seule façon de savoir si on a affaire à un cristal est de le bombarder avec des particules ou un rayonnement particulier, les rayons X ou les rayons gamma, et voir comment il réagit. Si ces particules et ou ce rayonnement sont renvoyés dans des directions bien précises, on parlera alors de cristal. Pour ensuite savoir si ce cristal est effectivement un diamant, il faut être capable d'observer sa composition et sa structure interne. On fait ça sur des appareils et en analysant les images obtenues et avec des calculs assez complexes derrière, on remonte à la structure interne du cristal. Et si cette structure correspond à celle montrée précédemment, on pourra alors parler de diamant. En conclusion, un vrai diamant, qu'il soit artificiel ou naturel, est un cristal constitué d'atomes de carbone et organisé suivant cette forme géométrique et avec les dimensions particulières dont on a parlé précédemment. Donc il faut également savoir qu'il existe de faux diamants qui sont malgré tout des cristaux, mais leur composition et leur structure interne est différente de celle du diamant. On peut également préciser que certains spécialistes, notamment des joailliers, sont capables de différencier des diamants naturels de diamants synthétiques. En effet, en général, les diamants naturels sont plus gros que les diamants synthétiques. Et dans le cas des diamants colorés, les diamants naturels sont, la plupart du temps, plus uniformément colorés que les diamants synthétiques.